donner, bien sûr, de ce rappel au règlement. L'ordre du jour appelle maintenant la question orale de Madame Catherine Troendlé à Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la Centralisation et de la Fonction publique, que nous saluons. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par certains syndicats mixtes dans le cadre du renouvellement d'un emploi contractuel au sein de leur structure. La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique a pour but de lutter contre la reconstitution de l'emploi précaire dans la fonction publique et d'améliorer les perspectives professionnelles des agents contractuels et redéfinit notamment les conditions de durée et de renouvellement des contrats afin de prévenir les situations de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée sur des besoins permanents comme temporaires des administrations et modifie les conditions d'accès au CDI. Toutefois, des cas spécifiques peuvent se présenter, comme pour ce syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers dans mon département, qui, à la suite d'une contractualisation avec l'ADEME en octobre 2010, ils ont contractualisé un programme local de prévention des déchets, ce syndicat a procédé à l'embauche en CDD de deux chargés de mission mis à disposition par le centre de gestion du Haut-Rhin. Ce mode de recrutement paraissait le plus pertinent du fait que le financement de l'ADEME était validé que sur 5 ans. Les CDD actuels arrivent donc à terme et il convient pour le syndicat de les renouveler. Néanmoins, à présent, les conditions de recours aux agents contractuels dans le cadre d'un emploi non permanent doivent répondre soit à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires, soit pourvoir au remplacement d'un agent indisponible, titulaire ou contractuel. Pour ce syndicat, Madame le Ministre, il s'agit bien d'un accroissement temporaire d'activité. Or, les CDD d'un an pour cause d'accroissement temporaire d'activité ne peuvent désormais être renouvelés que tous les 18 mois. Compte tenu de la situation économique actuelle, il apparaît nécessaire de procéder à un assouplissement de ces règles relatives au renouvellement des CDD, notamment pour les petites structures, pour faire face à cet accroissement justement d'activité temporaire. Aussi, Madame la Ministre, je vous serais vraiment reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si des mesures peuvent être mises en œuvre pour répondre à cette attente qui est plutôt pressante. Merci. Merci, ma chère collègue. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Et avec votre autorisation, dire à Monsieur le Sénateur que je vais naturellement être relais de ce qu'il a dit ce matin et qu'en tout cas, le gouvernement, comme je reprends votre expression, entre guillemets, ne se fout pas des sénateurs. Nous avons peut-être trop réduit le nombre de personnels dans nos cabinets et un certain nombre de départs n'ont pas été remplacés. Peut-être que c'est une question qu'il faut qu'on se pose sur le pôle question, parce que j'entends bien que vous n'êtes pas le seul à émettre une plainte et pourtant le Premier ministre régulièrement nous demande de répondre dans les meilleurs délais. 14 mois, lorsque j'étais parlementaire, je n'aurais sans doute pas trouvé ça acceptable non plus. Et je vais emporter donc la réponse à la question que vous aviez posée. Madame, avec mes excuses d'avoir d'abord répondu à votre collègue, c'est exactement le genre de difficulté que nous trouvons sur l'application d'un très bon texte de loi que M. Sauvadet avait présenté avec succès le 12 mars 2012 pour répondre aux besoins temporaires. Un certain nombre de dispositions ont été prévues et vous évoquez le fait qu'à la suite de l'octroi d'une subvention de l'ADME, pendant 5 ans, le syndicat a demandé au centre de gestion de mettre à sa disposition des agents non titulaires recrutés pour répondre à un besoin temporaire et aujourd'hui, bien sûr, il se trouve au terme de la période légale de renouvellement. Les conditions dans lesquelles le recours à un agent non titulaire pour occuper un emploi non permanent dans la fonction publique ont été modifiées par la loi du 12 mars 2012. Et dans ce cadre, il est prévu que les contrats conclus pour répondre à un besoin temporaire ne peuvent se succéder plusieurs années de suite. Vous le savez, sans interruption, ce qui serait une négation du caractère temporaire. Le nouveau dispositif prévoit qu'un contrat sur ce motif peut être conclu pour une durée maximale de 12 mois,
renouvelable avec une période maximum de 18 mois consécutifs. Et les précédentes dispositions prévoyaient que pour répondre à un besoin exceptionnel, un contrat de 3 ans pouvait être conclu, renouvelable une fois. Toutefois, le fait qu'un syndicat mixte bénéficie d'une subvention de l'ADME durant 5 ans ne peut être... On a regardé de près cette disposition, ne peut s'analyser comme un besoin temporaire ou saisonnier, au sens de la loi permettant le recrutement d'un agent sur une période non titulaire sur une période de 5 ans. Cette qualification n'aurait pas dû pouvoir être retenue, elle ne peut pas prévaloir aujourd'hui, les dispositions de la loi n'y ont rien changé, c'est le cas majeur, y compris c'est le cas explicite du temps que vous avez heurté ou que les élus de ce CIVOM ont trouvé en phase 2. Une telle durée initiale n'est d'ailleurs pas prévue pour un emploi permanent sur lequel un agent non titulaire peut, en application de l'article 3.3 de la loi statutaire 84-53 du 26 janvier 1984, peut être recruté. En l'espèce, il faut considérer qu'il s'agit d'un emploi permanent à créer, conduisant au recrutement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire si un emploi de fonctionnaire n'est pas possible, dans le respect des conditions prévues par la loi. Et à l'expiration de la subvention, le cas échéant, il appartiendra à l'autorité territoriale de décider de la suite qu'elle entend donner à cette action et des conséquences éventuelles de sa décision sur les emplois concernés. Je pense que dans le cas express de figure, il faut que le président du syndicat ou un élu en charge des personnels ou le directeur général des services puissent rencontrer les autorités préfectorales locales pour voir comment on peut régler cette question. Vous savez qu'on peut supprimer un emploi de la fonction publique territoriale lorsqu'une fonction n'existe plus. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut s'orienter parce qu'on ne peut pas déroger à la loi sur un seul cas. Sinon, naturellement, c'est une jurisprudence et la loi de M. Sauvadet chuterait ainsi de façon dommageable. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Souhaitez répondre, ma chère collègue ? Oui, merci beaucoup, Madame la Ministre, de ces explications. Il est évident que le syndicat ne sera pas forcément convaincu de votre argumentaire, même si nous cherchons effectivement à comprendre parfaitement ce que vous avez dit. Il est vrai que nous ne pouvons pas mettre à mal cette législation qui lutte contre l'emploi précaire, mais vous savez aussi, Madame la Ministre, qu'aujourd'hui, les structures, notamment ces syndicats de cette taille-là, n'auront plus les moyens financiers de créer de nouveaux emplois, des CDI notamment, puisque c'est ce que vous proposez. Mais évidemment, je transmettrai votre proposition du rapprochement des services préfectoraux pour trouver une solution, pour continuer justement cette programmation qui est très très importante dans le cadre de la mise en œuvre des missions de ce syndicat. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame Tronelet. L'ordre du jour donc maintenant appelle la question orale de Monsieur Jean-Louis.